Il a que frère Maxime moi yo, je dis que nous content que pour nous gagner madame Elisabeth Lecomte, nous capable dire que son femme exceptionnelle. Et on était en gros croyante, bon qui dit l'école Kaimer et Kaimer Boudon. Qui fait sortir nous retourner et Bahamas que nous content que pour nous gagner que pour entretien ça. Qui veut que madame Lecomte que Nabdo, merci. Et merci. Nabdo, bonjour sur les antennes de la radio Télé-Stadia. Merci à tous les spectateurs. Bon. Qui fait que, première question que Nabdo posé, est-ce que vraiment, on va parler nous un peu de vous-même? Quand on sorti, et monde qui va courir, là, finit que, bon, côté que vous va parler nous tout de l'éducation. Oui. Donc, comme on dit, moi, Elisabeth Lecomte, et puis moi, sorti en Haïti, moi, fait Port-au-Prince, moi, j'étais l'école, fait primaire, moi, avec toute secondaire, moi, Haïti, j'étais l'école Saint-Louis-Boudon, Camé-Boudon, yo. Et puis après, et philo, moi, venu aux États-Unis, côté, j'étais allé à l'école en New Jersey, maintenant collège, et puis, Kounia, moi, c'est une registered nurse. Bon, et que vous soyez infirmière. Soyez infirmière. Mm-hmm. Bon, et vous pouvez dire nous dans quelle école vous étudiez nursing, la vie que peut-être ça vraiment te motive ou d'aller dans nursing? Oui, ça qui peut motiver, moi, c'est aider, me développer, aider. Et je pense que moi, je joins et calling, moi, je joins ça que mon Dieu te mette sous terre pour me faire, qui voulait dire pour moi et aider l'autre. Donc, et l'heure que je suis tombé dans nursing, donc c'était un match qui était parfait. Et pour nous deux ans, donc et c'est ça fait moi en ligne en nursing. La quelle école vous côté dans? Moi j'ai l'école Muhlenberg. Muhlenberg, mm-hmm. Qui dans New Jersey là, ouais? Oui. Et est-ce que vous avez quelque chose à voir avec un pile haïtien notre bord? Non, à l'époque pas de congé en pile haïtien dans l'école nursing. Oui. À l'époque, me fait nurse depuis plus de 17 ans. Plus que de 17 ans. Oui. Bon, mais qui puis quoi est-ce qu'il a souffert comme infirmière? Expérience, et bon, et dans la carrière professionnelle. Eh bien, ça, quand tu as dit que c'est une bonne expérience que je fais pour moi, c'est toujours aider. Et donc, après tremblement de terre, nous avons fait une mission médicale pour aller à Haïti et avec l'association médecins et à l'étranger. Donc nous tous nous t'es allé vraiment vrai nous t'es allé pour tes secours. Donc ça c'est une mission qui était plus mémorable pour moi côté nous t'es capable d'aider. Donc depuis c'est aider donc généralement donc on est là toujours disponible. Oui, disponible. Exact, et ça fait que pour nursing là que au capable de parfait. Son vocation que oui, c'est ça. Et tellement que j'aime ça. Oui. Bon, mais est-ce que bon quand même que est-ce que vous êtes en contact avec les infirmières haïtiennes qui ont travaillé à New Jersey? Non, unfortunately, pas vraiment dans l'association et nursing. Mais cependant, dans l'association EMH New Jersey, que moi, c'est un advisor là-dedans. Nous gagnons 2-3 infirmières qui viennent. Moi, c'est un pionnier, on a dit, et moi, c'est un premier nurse qui est allé et qui montre dans le bordio, qui est actuellement un advisor dans l'association médecin. Mais quand même, et Kounia, nous commençons à gagner plus ou moins plus de nurse. Bon, parce que réellement, je me dis que le Canada, que je connais que l'association médecin, que les gens ont un tout, qui est même vice-président, même association, que Kounia. Et que réellement, je pense que c'est ça qui est important, que pour et tout le monde que nous avons travaillé ensemble, c'est plus capable et plus bon résultat. Ah, oui, c'est ça. Bon, et que quoi vous dites, vous sont ou que vous faites partie de bord de l'association, ça. Mais qui ça est chapitre Nigeria? Qui sont capables vraiment capables de nous de chapitre et association médecin chapitre New Jersey? Qui sont capables de nous de vous? Eh bien, c'est une organisation que moi là dans depuis plus de 10 ans, que moi crée en pile là dans ni, que moi fais volontaire, moi aider dans tout ça que nous avons entreprendre. Nous gagnons effort médical 2 à 3 fois par an. Nous gagnons effort côté d'aller nous fait éducation communautaire, la communauté, montrer les gens qui peuvent manger, puis tout ça, nous faire attention, sucre, tout ça. Et puis après ça, nous gagnons et un pile de monde qui
nous fait et gala, nous fait gala et côté que nous fait fundraising pour comme si pour nous capable relever de l'argent et puis avec l'argent ça c'est ça nous utiliser pour nous aller et dans mission médicale que de nous gagner pour aller nous fait aussi nous fait éducation communautaire au contraire nous gagner une éducation communautaire que nous pourrons faire là le 26 octobre et côté que nous pourrons faire screening avec éducation pour cancer du sein dans Caldwell College dans New Jersey à 5 de l'après-midi et puis à 7 heures nous gagnons une autre et que nous pourrons faire côté nous pourrons faire une autre éducation encore mais nous pourrons parler sur le leadership et ça a fait dans 120 Chestnut Street New Jersey. Et je me rends bien que le chapitre New Jersey est très impliqué dans la communauté haïtienne. Oui, nous très entrés dans la communauté. Nous faisons un pile et outreach dans la radio tout, côté nous faisons éducation dans la radio, côté docteur Ovini. Et puis nous nous demandons de poser des questions, côté que nous sommes capables de gagner un pile d'éducation à niveau ça. Bon, que, mais et que si nous faisons tout outreach et ça, et ben, est-ce que réellement capable de nous que qui bon pour femme haïtienne dans Jersey qui maladie au plus et que nous avons que gagne et bien dans New Jersey et problème que nous gagnons c'est que en fil fois nous pas gagne assurance. Mm-hmm. Donc et là que nous fait fort médical nous jouons pile problème tension ou problème ou, tension pile, oui. Oh oui ça c'est numéro 1. Mais est-ce que pas trop seulement j'ai expliqué ça et bien gagner le même le pas manger en pile sel pas connaître si c'est génétiquement nous prédisposer même pour nous faire tension. Mm-hmm. Parce que gagner le pas manger en pile sel et puis tout ça juste style fait tension juste style obligé pour un médicament vous comprenez. Mm-hmm. Mais nous quand parler quand même pas manger en pile sel et puis faire un pile exercice et marcher, faire marcher, puis tout ça pour capable et qu'il y ait tension en bas. Il y a que les femmes haïtiennes qui ont un pile là, donc faites attention. En pile, non, vous faites attention. Mais, bon, comme nous, dans ça, là, est-ce qu'il y a une prévention que nous, que on est capable faire que pour éviter ou pas attention? Eh bien, ça nous fait, et non, là, nous, dans le fort médical, ça nous fait un pile et éducation avec et Mounio. Nous montrer qui ça pour manger, des choses que qui gagnent en pile sel pour éviter additionner sel dans manger. Quand vous des magies, genre de bagaille, ça yo, ça son. Bagay sa yo ap mete nan manje yo gen an pil sel tout la dan yo gen an seri de et lay poud lay tout ça lò mete li ou pa realize donc faut garder pa de li pou make sure que li pa gen paquet sel la dan tout parce que ou pral mete sel nan manje encore. Donc et ça c'est une premier bagaille que nous parler en pile de lit. Deuxième bagaille tout c'est faire petit mouvement, faire petit marcher et pas que machine nous dit Jean plus loin pour capable faire petit marcher et chaque jour et si possible. Bon, qui veut que réellement que autant que possible que nous et que nous fait partie par nous. Oui. Que nous capable dire que vraiment nous réellement accompagner mon yo. Oui, pour être dans niveau de la santé. Oui, c'est ça. Bon, on a le chapeau aussi de tout. Bon, on a AMH New Jersey, ça appuie moins dans Health First. Oui. Bon, qui sont fait que dans la compagnie ça? Eh bien, dans la compagnie ça, moi, c'est un nurse et nous sommes manager dans Utilization Management. Et son compagnie qui baille assurance médicale dans New York. Et puis, dans Long Island, nous sommes dans Westchester, nous avons assurance médicale pour Medicare, Medicaid, et puis pour commercial tout. Et nous aider en pile dans la communauté. Nous avons intégré en pile dans la communauté comme ouais, nous avons été sponsor et dans les voyages que nous faisons. Nous faisons aller à Masla. Et puis chaque année, nous avons un voyage tout. Nous faisons aller à Haïti, nous aller à Fort Liberté. Qui assure un peu le monde compagnie ça? Oui, il assure 1,4 million de monde. Mais ils sont grands assurances, oui, New Jersey et New York. Donc, ils ont intégré en pile dans la communauté. Ils prennent en pile et pride pour dire tout le temps que ils font partie de la communauté. Et ils ont montré nous ça vraiment vrai. Donc, ils ont sponsor nous, ils ont aidé nous avec toute logistique pour nous aller dans la médical mission. Que bon. Et que vous prenez que vous êtes dans le dernier congrès qui était fait Cuba tout. Bon, qu'est-ce que ça va dire de congrès ça? Eh bien, congrès ça, c'est un congrès médical que nous avons fait tout. Li bay CEU, li bay CME, et à peu près 20 à 25 CEU à CME, et gampil et docteur
qui participé avec infirmière et puis toute l'autre famille autour qui vini. Donc nous te gagné une conférence qui était très successful. Nous te gagné un pile moun et près de 400 moun qui vini et vinn participer avec nous. Donc tu es bienvenu en côté que nous t'aller Cuba, nous gagné une chance pour nous non seulement aller pour nous participer dans l'éducation le matin but also dès l'après-midi. Après ça nous aller nous faire petite visite, nous visiter les pays, hein. Nous sommes contents de nous sommes cultivants et puis tout ça. Et c'est le premier voyage au Cuba, hein? C'était le premier voyage au Cuba, mais cependant, chaque année, et nous faisons une conférence médicale dans la dernière semaine du mois de juillet. Nous faisons. Et prochaine conférence? Et pour cette conférence, c'est qui bon que nous avons fait? Eh bien, nous avons gardé toujours pour nous, qui bon, qui est plus bon, parce que nous avons visité pour toujours. Nous avons fait nous connaître, mais nous toujours cherchons un côté qui est très et nice, qui est capable d'accommoder nous toutes, et que non seulement nous étudions, mais nous avons un peu de fun. Et parce que nous avons connaît le Dr. Coles a très content pour le temps de ça. Là, oui, ouais, c'est ça. Il a vu que nous avons docteur gardé tout. Le docteur a donc dit tout, pas le docteur a donc il y a pourtant pour vous attendre que bon, moi de bon. Que même vous dites que c'est un gros congrès que j'ai été. Oui, c'est ça. Je crois que c'est un congrès qui était plus successful que nous gagnons. Et nous allons, et puis ça qui est plus intéressant là-dedans, tout, c'est le fait que nous gagnons toute génération là-dedans. Ou gagnons un monde petit, ou gagnons un teenager, ou gagnons un grand monde, ou gagnons un grand monde net. Et, donc toute génération qui participe. Et moi, c'est toujours l'occasion pour médecins autour, pour prendre un message chez eux. Oui. Pour prendre un message avec la famille. Oui, ouais. C'est ça. C'est parce qu'à la vérité, que bon. Et que c'est sûr que nous connaissons que monsieur il veut pas raison mais il travaille en pile tout autant que nous connaissons que parce que parfois mon ça qui a travaillé même 12 ans dans l'hôpital oui, ouais bon. Et qui a même fait deux chiffres c'est ça réellement pas physique ou bon oui c'est ça pas physique ou bon et là que faut ça tout bon tout ouais. que pour faire lui ouais. Et bon, mais comment ça progresse tout à l'heure? Parce que vous dans le chapitre GG. Oui. Et au travail professionnel. Là. Oui. L'avec plus et que bon, pour A, M et H, E, mm-hmm. qui vous l'on a? Eh bien, pour A, M, H, E, New Jersey, Association Médecin, moi, c'est un advisor dans le board là. Donc, et oui, donc c'est ça mon fait. Moi, là depuis près de 10 ans, donc nous welcome et aide et volontaire et pour venir de nous. Donc nous toujours à faire des projets, d'aller dans le fonds médical et puis tout ça. Donc nous inviter tout le monde si vous voulez venir volontaire avec nous. Bon, vous connaissez que vous faites sortir dans le Bahamas avec une délégation, est-ce qu'il parle en gros délégation? Mais qui sont vraiment capables de nous de visiter ça? Eh bien, visiter ça, c'était une visite qui était bien organisée. Elle était sponsor par Health First. Nous allons, nous porter un pile de médicaments pour nous. Nous allons avec le docteur. Nous 29 en total d'aller. Nous gagnons à peu près 20 docteurs avec infirmières haïtiennes. Et puis 9 yo, c'est le monde qui sont dans l'autre pays. Pour venir aider nous. Donc, et nous te prenons plaisir pour nous aller, nous rencontrer mon nous t'es dans shelter. Et donc, nous prenons venir à Boss, nous venir, nous fait parler avec eux, nous fait examen médical pour eux, nous fait examen médical pour tout le monde. Donc, et nous aider dans ce sens-là. Et que, mais ça t'es réellement frappé ou n'a pas ça? Eh bien, dans le voyage, ça, l'été un petit peu difficile pour nous aller. Premièrement, depuis le noir rangé pour nous aller, on m'a dit nous en pile papier dans tout pays que m'aller dans mission médicale, m'a jamais côté que m'a des papiers comme ça. Yo m'a dit nous même fingerprint, yo m'a dit nous tout bagaille, diplôme et collège, tout ça et puis tout ça, yo m'a dit nous et papiers de bonne conduite. Nous te baille bon nous fait gens que nous joignons nous baille tout ça que nous te demandé nous aller et puis ça qui pire et frappé moi le mal est là-bas c'est le fait que vous venez réaliser que mon yo très stressé mon yo grand pile stress et moi été allé avec un pile docteur et dentiste gynécologue pédiatre et puis généraliste mais cependant nous pas aller avec mon mental health nous pas de mental health avec nous même réaliser ça c'est un
un besoin qui était très nécessaire parce que en pile le monde là est venu il a crié il a toujours crié il a parlé là depuis il a commencé à parler de gens et il y a des gens qui mourent là bas gens que globalement qui allaient avec eux donc il a crié en pile donc nous dit ouais que ça son besoin qui que bah vous dites que pour aller tu mets une baguette papier ça veut dire que ça te prend un visa que vous ne pouvez pas aller ah ben non il y a pas besoin de visa non parce que nous c'est américain sous c'est américain il y a pas besoin de visa pour aller Bahamas mais cependant il y a besoin de nous en pile papier pour nous bail et chaque nous bail un papier il y a besoin de nous l'autre papier il y a besoin de nous l'autre papier quand nous devons penser que peut-être que pas vraiment tellement voulait mon aller pour voir qui ça va passer Bahamas mais cependant nous était très tenace et nous continuer et puis nous aller. Allez, nous c'est nous combien que t'allé? Nous 29 en total. Nous 29. Mais là où il veut qui genre situation mon yo. Mon que bon mon abako yo parce que représentant 90% la victime abako yo c'est des haïtiens. Oui. Oui. Et ben à shelter yo nous plus joine haïtien. C'est plus haïtien. Tu allez peut-être aller visiter shelter yo même. Et ben yo pas fait nous entrer dans shelter. Nous aller nous garder pas dehors, il pas quitter nous entrer dans shelter, il pas venir nous chercher. Mais qui j'ai rencontré avec Mounio. Nous rencontrer à Mounio, nous obligé nous prendre yo, n'aller nous prendre bus que nous même nous prendre transportation pas nous aller nous voyer bus là dans shelter, il prend yo puis mener retourner ba nous pour nous capable aider yo faire et assessment médical et puis tout ça et puis là nous fini nous té ba yo et des bail nous té porter tout et jet porter ba nous opportunité pour nous té porter et en pile mallette donc nous chaque té porter balette donc nous t'es obligé nous t'es capable bailler en pile en sous-vêtements en pile rad et de donations que nous t'es gagné et puis après ça nous voyons aller nous tourner dans Bosta pour aller dans shelter si ça veut dire que condition et shelter nous pas quelque chose mais on dit que nous avons qui est-ce que nous bail nous manger est-ce que nous gagne dormi et bien bon et nous gagne monde dans groupe là qui t'est allé il pas quitter nous tout aller mais cependant gagne monde qui t'est allé il pas les monde prendre photo en dedans il va faire une photo mais ce sont des petits cartes ils mettaient à terre pour nous dormir c'est une collée à l'autre une abdomi à l'autre et nous nous complaint en pile de et problèmes d'eau problèmes de douleur dans tout corps depuis les abdomi à terre comme ça et donc ça veut dire que bah il va gagner cabane. C'est non, pas de cabane. C'est à terre. À terre, oui. C'est le petit côte, petit bail plat, il va pour mettre à terre. Bah, pas même mon nat même. Oui, on a une sorte de petite natte. Vous mettez la terre et puis là, oui. Ça veut dire que, bon, nous allons comprendre la situation de mon Zahoui. Et rappelons encore, 90% de monde qui est victime dans la dernière cyclone qui est passé, ce sont les Haïtiens. Ce sont nos frères et sœurs de la communauté haïtienne. Bon, qui étaient plus victimes que dans la cyclone qui est passé. Mais est-ce que mon Zahoui dit que vous allez manger? Yo di nou yo ba yo manje. Donc et m'te parlé avec yo, c'est une question posée yo en pile avec Timon yo tout et yo di nou que oui, yo ba yo manje, bon konnen yo toujours que ti pou plainte et yo pa ba yo viande, yo pa ba yo jus, mais cependant yo ba yo manje. Yo ba yo manje donc c'est ça qui était plus important et puis aussi yo ba yo côté pour yo bien et pour yo prendre soin tête yo et puis après ça pour yo retourner dans shelter. Bon. Et qui chance moun sa gen pour retourner à Bakongo? Eh bien chance pour retourner hein, li très minime. Li très minime et parce que en pile nan côté moun yo té rete nan Bakoyo, en pile nan côté sa yo, c'est côté haïtien té rivé et puis yo djou anik monté sous terre et puis yo bati kay yo tout rete là. Donc et à Bakoyo té allé plusieurs fois derrière yo pour essayer té capable faire moun sa yo déplacer, mais et juge nan pa jam té fait by order pour haïtien ça a été déplacé mais kounya c'est comme dado yon bagay qui rivé ville tout bon pour yo parce que kounya même yo tout bagay tout crasé tout bagay et puis kounya yo pas ka tourner parce que vraiment en pile là yo pas même gen terre qui terre pas pour yo et terre pas pour yo oui mais que moun ka retourner yo est-ce que moun qui pa gen papier yo est-ce qu'il y a quelque chose pour retourner et bien moun yo dit que moun qui praler yo yo commencé yo dit que yo capable mener des trois monde tourner si vous voulez tourner peut pas gain caille pour y aller là-bas mais cependant si que t'a voulez tourner y a prend avion mon quoi avion coûter en 200 300 dollars que yo même yo supposé payer et puis on top of that faut que yo gain papier légal faut que yo ou bien il soit légal pour capable tourner non côté yo aller comme ça yo
Eh bien, nous pas connaît, mais Jean que Premier ministre et Bahamé a parlé l'autre jour, et dans le Sénat, quand il a parlé, il dit que c'est loi paysan, côté que au monde pour vivre dans Bahamas, faut que ou bien légal, ou bien papier légal, ou bien papier pour travail, ou bien que c'est Bahamé, ou bien. Donc, si c'est ou pas, et dans tout, ou pas mis tout bagaille ça, donc, et. Plan que rien, c'est retourner Mounsayo et écouter le sortir. Retourner Mounsayo. Mais est-ce que nous avons une chance de nous rencontrer avec l'officiel Bahamas? Oui, nous avons rencontré avec Youn, et ministre de la Santé. Nous avons rencontré avec lui. Il fait grand parler avec nous. Et nous parlons, nous mettons problème haïtien devant lui. Nous parlons pile de problème haïtien que nous y est. Nous montrons aussi que nous haïtiens, mais. Et immigrants, pas toujours voulu dire que son bagage qui pas bon pour un pays. Parce que gardez nous-mêmes, et un paquet haïtien qui était allé, nous sommes immigrants, tout nous dans les États-Unis. Donc nous venons pour nous aider, donc, et nous t'es encouragé pour accepter immigrants. Et mais il toujours venu avec même parole là, que y a des lois, donc il faut aller dans la loi pays. Parce que Montesquieu tout ça, bon, que loi obéit loi, parce que loi est toujours juste. Parce que dans le cas Haïti, ouais, nous avons son bagage qui est vraiment injuste, et après ce qu'on a, et dans la situation Haïti à vivre, je veux dire que pourquoi ça pour pimper en Haïti, ouais. Et pour pimper en Haïti, ça fait que là, que nous-mêmes, que nous avons appel avec les gens qui ont fait droit de l'homme, ouais. Et que nous voyons que son dossier vraiment que pour t'adresser, ouais. Et que son dossier tout, que pour réellement t'adresser de pousser. Parce que, premièrement, que les gens sont venus et que les gens là d'ailleurs qui l'a longtemps, qui vraiment qui pas de bon raison bien pour l'autre, gens et réellement que le pays Bahamas. J'ai organisé que je toujours fongé que pour Haïtien, par exemple, il y a des gens qui ont des papiers. On peut arrêter côté que vous y êtes. Parce qu'il y a Bako, et d'après l'information que nous avons, tout. On. Et nous avons dit que c'est presque un ghetto que lié. Un ghetto que lié, ça fait que c'est les gens qui sont plus victimes de cyclones qui passent hier. Parce que monsieur qui a Bako avec Nas Bahamas, faut le moyen de temps. Oh, li loin, pas près. Et ça, c'est vraiment sur nos îles que nous sommes. Non, l'autre île. Oui. Même que nous sommes là, au moins que nous-mêmes, nous allons adresser le problème. Ça, oui. Parce que à la vérité, et que nous sommes là, c'est nous, et même il y a tout le monde. Exactement. Et que réellement, que nous allons tout nous démontrer que nous sommes là, que nous sommes là. Que nous sommes là. Même là, que nous sommes immigrants, nous vivons dans le pays, nous étudions, nous apprenons, nous venons tourner des. Participants dans le pays, hein? Nous baillons participation. Et qui veut que je pense que l'association des médecins à l'étranger, réellement que, bon, je connais que le docteur Kader était allé depuis tout suite après ce jour-là. Oui, il est allé. Et qu'il est allé avec quelques autres docteurs. Bon, je connais aussi le docteur Coles. Docteur Jean-Oli. Et le docteur Coles, je ne vais pas te voir ça. Parce que quand je dis que le docteur Coles, que c'est un monde qui travaille en filtre pour l'association, ça. Oui. Ça que nous avons dit, que bon, c'est vraiment un cadeau, docteur Colger, pour l'association. Oui, c'est ça. Et que, mais réellement, que ou même que bon, et où tu es allé, ou dit que c'est un compagnie d'assurance qui te semaine sur voyage là. Oui. Mais tu es un pile médecin haïtien avec un infirmier haïtien qui est allé tout. Oui, c'est ça. Donc, et. Compagnie côté de travail, l'été sponsor nous, l'aide nous avec logistique pour nous payer avion, transportation et puis logement. Et donc, ils entrent dans la communauté en pile, ils sont dans New York, ils sont dans Long Island, ils sont à Westchester, ils ont une assurance pour Medicare, Medicaid et puis des commercial tout. Donc, ils ont aidé nous en pile, ils sont allés dans la communauté, ils ont vraiment aidé dans ce sens. On ne peut pas imaginer, côté ça, ça fait nous vraiment plaisir, côté que nous allons dans l'autre côté qui n'est pas même vraiment capable de et patient vraiment, mais cependant il y a l'idée. Bon, et que nous avons encore que dans l'école, mais là, lui, bon, on dit que c'est là que vous êtes l'école, ouais, Kamé Boudon, mais que est-ce que vous parlez un peu d'expérience ça, qui ça expérience ça
qui expérience là avec vous? Eh bien, il m'a dit que c'est une plus grosse, plus belle expérience que moi fait dans la vie, pas moi. Et il m'a l'école en Saint-Louis Boudon et que son école catholique que l'était, il forme nous très bien dans catholique et il a vraiment montré nous prier et que c'est ça que fait un pile fois pour jusqu'au nia même le n'importe ça même tourner sous prière. Et que je bah, jamais la game, toujours gain courage et puis toujours appeler. Mais il y a une bonne fondation avec Sœur Claire à l'époque qui était là. C'est Sœur Claire qui était professeur catéchisme à l'époque. Donc il montrait nous vraiment vrai pour nous faire prier charismatique et tout ça. Oui. Et ça, ou ça, si vous avez dit, vous avez contact avec Sœur Claire? Oui, oui. Mais Sœur Claire a contacté des gens avec Sœur Claire tout sur votre bain et tout. Oui. Et qui fait que c'est clair que vraiment que bon, nous capables de dire que vraiment que c'est un monde qui travaille en pile tout pour Haïti. Ouais, ça y est, bon. À travers le renouveau charismatique, bon, nous connaissons que bon. Et c'est clair tout, il est très 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 visible dans la diaspora haïtienne, bon, qui est tout en New York, qui est un peu partout, hein, pour des séances de prière. Bon, ça c'est clair vraiment, c'est quand même un cadeau, tu vois, bon. Et bon, à notre église. Et qui fait que bon, nous avons tout encore sous. Nassau, bon. Mais est-ce que tu as quelque chose à montrer avec l'idée haïtienne pendant que tu es Nassau? Oui, nous n'avons pas vraiment rencontré avec leader vraiment. Nous avons rencontré avec peut-être et Father et Père Calix qui t'a aidé avec le nous avons fait transport mon yo sous un shelter pour venir joindre pour nous aller l'autre côté pour nous aller aider. Mais autre banc, pas vraiment rencontré avec l'autre monde. Vous pas rencontré avec l'autre monde. Oui, ben Père Calix a fait très bon travail tout l'autre bord. Oui, c'est et là, accompagner mon yo, bon, moi, je même une association, tout. Bon, c'est sûr que si tu as quelqu'un qui t'a voulu aider Père Calix à travers l'association, parce que quand même, que bon, moi, je suis avec là, je pas qu'elle travaille sous dos, monsieur. Ouais. Que même pour reconstruire l'église, que bon. Parce que même l'église a beaucoup assemblé le cas net, que tout le bagage est dans le Père Calix avec l'autre Père haïtien, vraiment vrai qui a pesé ce ministère, que dans l'assaut Bahamas, et que le Père Calix, bon, je suis capable de dire que l'incarné incardiné tout, dans l'archidiocèse et l'assaut Bahamas. Mais si nous avons de vous d'avoir une différence pour nous, parce que, et est-ce qu'il va participer dans plusieurs missions médicales déjà, et est-ce que nous avons une différence pour nous entre Bahamas avec Haïti? Oui, oui. Et le problème que nous rencontrons dans Bahamas avec Haïti est très différent. Et le Mali Haïti, par exemple, nous avons allé et Fort Liberté, nous allé Dondon, toute une série de l'autre côté dans le nord-est. Que nous allons, nous visiter, nous allons au Cap tout et puis tout ça. Donc nous qu'on rencontre Timon, nous gagne pile problème de ventre fait mal et il y a des problèmes ventre fait mal et puis il y a pas capable il y a des vers, il y a pile vers donc nous porter médicaments pour ça pour eux et puis il y a pile problème peau gratelle et puis fille tout gagne problème et gratelle tout et puis ça nous réaliser que c'est lié en contact avec et problème d'eau potable que il gagne pas gagne assez d'eau potable. Donc et ça c'est très différent tandis que et Bahamas pas joindre tellement problème ça le problème que nous joignent plus c'est et ti moun yo pas gain en pile problème comme ça yo pas gain problème peau problème et ver ou bien problème va te faire mal tout ça donc plus problème là c'était plus et avec et grand moun yo qui gain même problème que nous gain côté passé yo et problème tension avec sucre tout ça dans Bahamas but Haïti problème yo ti jan pi différent li différent. Oui très différent bon que semaine ça tout papa boy que c'est même petite femme femme de la semaine oui, bon, qui j'ai accueilli ça moi très apprécié ça moi dit merci mais que tout ça que moi fais c'est pour la gloire de Dieu que moi fais pour la gloire de Dieu hein? Pour la gloire de Dieu ça c'est très 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 bien parce que ça c'est pas incroyable ouais. Et que bon, on connaît que nous avons un contexte. Ouais, bon. Est-ce que vraiment que bon, vous pensez que Nigeria a participé vraiment dans le concours? Oui, oui, oui. Comme je te dis, moi, on va le faire un contexte pour Timounio de 16 à 25 ans. Donc, il a pas invité tout le monde. Et puis, il a écrit un essai, deux pages. Il y a bal et sujet de qui ça pourrait écrire et puis il a fait une sorte de petite biographie il a bal photo yo et puis tout ça et puis et nous va le faire et
renkont lan pou nou wè ki moun kap, kap gen nan konkou sa. E mkwe a la fin konkou an, yap bay an pri de $1,000. Donk nou ta ankoraje nou pou nou antre nan konkou sa. Oui, ki patisipe la den, ki ou menm bo kote nou jesu ap fete de tout. Oui, se sa. Bon, ma pwantik si vya se, pa mwen menm kap fè konkou an, ke se, e se kan menm la radio télé-solidarité. Oui. E ke bon, nou konen ke se radio solidarité se sat nasyonal la, ke konen bon. Oui, se Bishop Sasarik, ouè. Oui, se sa. E bon, ki e a la tèt, bon. Men ke kon mwen, te di ou, ke denye fwa nou te fè la, ke nou te gen jen, un peu partout, nou te gen menm de jen d'Haïti ki te patisipe la dan, bak ke, evèk de zinò tout ou fon jan ke pou, e ke pou jen ensi ou patisipe la dan. Oui. Ki evèk, napre di pou moun yo ke, kon kouwa ke ou gen jiska 30 octobre ke pou inscrire la dan, eh. Ouais. Que normalement que faut ouvrir une photo, faut ouvrir une petite biographie, normalement que il faut sur email bordertob@gmail.com, bordertob comme ça s'écrit bordertob@gmail.com, bien solidarité @online.net. Qui veut que réellement que nous sommes capables que princesse Elisabeth déjà dit que Lisez a bien représenté. Oui, la représenté m'a pas assuré moi que me venir avec deux petits monde parmi eux parce que j'ai un petit fillien 17 ans et puis un petit garçon qui a 20 ans. Donc il dans l'âge que vous êtes capable participer. Et pas participer là que me rappeler nous nous gros jury tout. Ouais, qui va lire texte tout texte ça yo. Là jury a nous gain le père Philippe de Gondé. Bon. Nous capable dire que coordonnateur de la pastorale à Saint Jésus de Venise. Nous gain le père Yves Jeffra qui est le coordonateur et de la pastorale haïtienne et de la pastorale haïtienne du diocèse de West Palm Beach. Nous avons le père Luc Philogène et aumônier de la pastorale haïtienne de la diocèse de Washington. Nous avons l'avocate et Catave qui membre juriste à tout et que nous avons docteur Dupuis qui a un PhD en éducation. Qui est membre jury et que nous gagnons tout et on membre là 11 Adina et que nous connaissons c'est une plus grande union bon qui membre jury ça que et jury a bien jusqu'à 15 octobre jusqu'à 15 février bon pour bas le résultat ouais c'est ça. Pour bas le résultat que nous encourageons les jeunes pour vraiment participer là dedans parce que il y a des jeunes qui est inscrit là dedans déjà donc des jeunes Boston tout qui déjà et inscrit là dedans déjà. Après ça que nous parlons concours femme de l'année, c'est sûr que et que princesse a participé là dans le concours ça lui-même ouais, comme candidat ouais. Oui. Bon et question là me poser encore oui. Si tu as gagné un groupe qui t'a remis Alba Hamas ouais pour tes concours bon, ou bien en mission bon qui gens va faire ça. Eh bien, m'ta dit que pour yon prendre un peu de patience, pour yon entrer en contact avec le ministère de la Santé Bahamas là, pour yon connaître exactement qui ça que yon besoin pour porter, et aussi, le que nous praler moins ouais que besoin ou en pile c'est non et plus et rad et des vêtements sous vêtements puis tout ça souliers tout ça et parce que nous avons perdu tout ça que nous avons. Et même toute radio gagne d'où yo sorti avec deux mains deux pieds yo pa konnen bon m'te bien joine une dame qui était pour diab li té nan et earthquake haïtien et tremblement de terre haïtien en 2010 et puis pou ni a pou venir wè que li vin tombé li encore là li rentré nan Abaco et puis globe banque pote là li tout donc fi ça té très vraiment traumatisé. Donc et nous t'a conseillé nous venir avec des moun qui et pour mental health tout pour comme c'est aider moun yo pour parler à moun yo pour pour essayer relever un petit peu de stress que gagne. Qui veut que madame le comte que n'a vraiment gros merci et que pour entretien ça. Merci. Et nous capable dire que nous très fiers de groupe ça qui t'a allé ouais parce que nous prouver que haïtien yo même la traversée un moment difficile que geste solidarité ça que mon école était touché en pile l'année yo et donc on continue à encourager que professionnel yo tout monde qui a bio que réellement pour aller parce que l'eau aller que dans moment ça que yo au moins que ouais pas pour compte yo yo pas pour compte yo mon école association médecin que en pile déjà qui aller parce que même docteur Kader genre que nous dit ouais que bon président association
que il était allé que non mission pour Taloué et ces situations et bon que association prend plus fort pour voir que les gens des capables accompagner mon saio parce que vraiment que moment émotionnel là qui passé mais qu'on y a là que gros problème là c'est qu'on y a sim et c'est et des mon saio de Nabako même les que le gouvernement a aidé la vie que nous gagne haïtien autour que qui était là il a retourné en Haïti ouais parce que mon saio tout si bon gens nous capable aider yo il est très 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 bon que pour nous aider parce que nous depuis au fin de là c'est la loi il y a des milliers de lois devant, il y a tout carrément, on n'a pas de papier, dehors, et que les gens s'en fait, et je dis un peu partout. Qui fait que, Madame Elisabeth, c'est vraiment un plaisir pour nous gagner. Merci. Et nous avons vraiment bonne chance dans la carrière professionnelle. Merci. Avec, et bonne chance avec tout ça pour que vous gagnez, parce que y a même des qui ont fait, travail. Oui. Travail, oui. Association médecin. Et puis Timoun. Timoun, d'accord. Bon, même le bas bas âge, oui. Quand même. Oui, c'est ça. Parce que monsieur, que y a déjà un collège, déjà Timoun Zayo. Et non, il y a un collège, il y a un 12e grade, il y a un collège. Il y a un collège. Et que monsieur est intelligent même bien, et intelligent même bien avec moi. Souhaitez ça. Même bien avec moi. Souhaitez ça. Eh bien, ok, c'était frère nous. Merci. Zami nous, frère Bito, bon accord de la radio télé Solidarité. Merci.